Les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver au magasin Brico Dépôt de Saint-Wits pour une nouvelle vidéo d'arrivage spéciale salle de bain cuisine. Je vous propose qu'on découvre ensemble les offres en déstockage parce que je ne sais pas si vous avez eu ce catalogue, je vais vous montrer. On a des offres déstockage depuis vendredi, donc depuis 2 jours. Donc je vous propose qu'on découvre ensemble ce qui nous intéresse ici, tout ce qui est salle de bain cuisine. Et je propose qu'on commence par ce petit meuble bas en 80 cm de largeur. Donc il n'y a vraiment que le meuble. Il est en déstockage à 30 € au lieu de 99 €. Donc là, ça nous fait moins 70%. Il est pas mal. Vous voyez, il y a deux tiroirs. C'est du gris brillant. Donc si vous êtes en train de refaire, pourquoi pas. Ça peut être une belle opportunité. Vraiment, si vous avez besoin que du meuble en plus, 30 €, c'est cool, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ici, on en a un autre, il fait pareil, 80 cm de largeur. Il est à 80 € au lieu de 179 €. Donc là, la particularité, c'est qu'on a deux tiroirs en 60 de largeur. Et vous voyez sur le côté, là, ce sont des tablettes. Donc par-dessus, il n'y a plus qu'à mettre la vasque. Voilà. Donc voilà pour ces deux offres de meubles. Ici, on a un autre meuble en déstockage, vous voyez, à 169 € au lieu de 219 €. Il fait 1,05 m de largeur, il est blanc. Alors j'ai que le visuel qui est juste ici, je vais voir si je peux vous le trouver, peut-être qu'il est exposé. Attendez, je vais regarder ça. Ouais, c'est ça, c'est celui-là du coup qui est en déstockage. Vous voyez, c'était 219 et il passe à 169. Ouais, c'est exactement celui-là avec le plan résine. Vous avez deux tiroirs en 60 plus deux niches ouvertes, il est pas mal en blanc. Après, moi j'aime bien le blanc, ça me dérange pas. Allez, par ici, regardez, on a en déstockage une baignoire. Elle est balèze, hein, elle est chouette. Attendez, je vais monter sur les palettes. Je vais vous montrer la couleur de la baignoire. Ah, j'adore ce genre de baignoire. Je la trouve canon. Elle est vraiment super belle. Donc là, elle était à 600 € et elle passe à 480 €. C'est une baignoire. Ouh là là. C'est une baignoire îlot mural. 170 par 80. Elle est chouette. En profondeur, c'est 58,5. Après, à petit prix, ici, ça c'est nouveau, mais bon, c'est pas cher du tout, donc je vous le montre. Vous avez ce petit meuble, 60 cm de largeur, en blanc, brillant. Avec la vasque, c'est 65 €. Ça, c'est nouveau. Donc, 60 cm de largeur. Si on n'a pas trop de place, ça suffit largement. La vasque, elle est toute en céramique, elle est pas mal. On n'a pas la robinetterie, hein, bien sûr. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter la petite armoire qui est là, qui fait 55 de largeur, donc avec les deux portes miroirs. Je vais vous montrer le rangement intérieur. 49 €. Voilà, ça peut vous faire un petit ensemble à peu près à 110 €. Voilà l'intérieur de l'étagère. Donc c'est pas mal pour ranger ces petits produits. Ces petits soins, par exemple. On continue. Ici, vous avez un kit douche 2G. C'est du Hansgrohe, c'est celui qui est exposé ici. Donc le prix a baissé. J'ai juste un petit souci, c'est que moi, sur mon catalogue, il est à 39,90 €. Donc je ne comprends pas qu'ici, il soit 10 € plus cher à vérifier. Ça me semble être le même, hein, le Chrometa. Il est chouette en tout cas. Hansgrohe, c'est une excellente marque au cas où. Donc 49,90 €. Ici, les douchettes, elles sont à 10 € au lieu de 13. On a une petite promo avec le changement LED couleur. Donc voilà. Et là, on en a une autre. Ça, c'est un arrivage quantité limitée, 59 €. C'est la colonne douche mécanique, excusez-moi, Star Chrome. En fait, je suis tellement excitée, j'ai envie de vous dire plein de trucs, que voilà, je m'en mêle les pinceaux, je parle vite et je raconte n'importe quoi. 59 €. Là, on a plein d'offres au déstockage. Je vais essayer de voir si je peux les trouver en exposition, je sais pas. Vous voyez, vous avez des douches d'angle, 130 au lieu de 280. Mais j'ai pas de visuel, j'ai que le panneau. Il y a des portes de douche aussi. On va regarder, on va rentrer dans le rayon, on va regarder. Les portes de douche ici, 100 cm de largeur, elles sont à 180 au lieu de 250. C'est celle-ci. Naya, en verre transparent, 8 mm. Là, on a des parois fixes en 80 cm à 60 € au lieu de 135. Donc, ça fait plus de 50% de remise. C'est pas évident de trouver. Alors, si, regardez la Naya, je crois que c'est celle-là. La transparente. Moi, j'aime bien les portes de douche transparentes comme ça. Là, on a des portes pliantes à 140 € au lieu de 270. Vous voyez, c'est celle-ci. Donc, elle se plie et elle se met sur le côté. Vous avez les dimensions 1,17 m jusqu'à 1,20 m et 1,95 m de hauteur.
donc 140 au lieu de 100, de 269, pardon. Oh ben là, il nous facilite la tâche. Là, on a en exposition donc cette cabine de douche en 85 par 85. Elle est à 160 euros au lieu de 200 euros. Elle est grande, en noir. Le tapis en bas, il est antidérapant, donc ça, c'est chouette. Donc 160 au lieu de 200. Ça c'est un arrivage, je la trouve sympa. C'est une paroi qui fait 1 mètre, aspect un peu industriel, elle est à 100 euros. C'est une offre quantité limitée. Super bien. Le receveur en 120 par 90, il est à 170 en bas. Je vous propose qu'on aille découvrir un peu les mitigeurs, parce que quelqu'un m'a demandé l'autre fois, j'ai pas fait les mitigeurs. Donc on va y aller. Bon là, je suis au rayon mitigeur salle de bain, on va en faire quelques-uns. Et après, on ira au rayon cuisine, ok? Le but, c'est quand même de trouver des offres en déstockage, mais je reviendrai vous faire de la cuisine. Pour la salle de bain, les mitigeurs, j'en ai sélectionné 3. On a celui-ci avec la chute cascade à 50 euros. On a le mitigeur lavabo à 39. Et celui-là, c'est le même prix. C'est aussi 39,90. Ils sont pas trop mal. Et on a celui-là que je trouve pas mal du coup parce que pour le nettoyage ça facilite bien. C'est quelque chose comme ça que j'ai chez moi, que j'ai acheté aussi chez Brico Dépôt, à 42,90€. Tout ça parce que j'avais pas envie de décrasser. Moi je suis. J'ai un peu des tocs. Bah regardez, j'ai rien à vous cacher. J'ai acheté celui-là à 15,90€. Alors c'est du premier prix. Je me suis dit, bon, de toute façon là où je suis, je vais pas y rester toute ma vie. Et sincèrement, nickel. Ça s'encrasse pas, c'est propre, ça a pas bougé. Alors qu'au début, je me disais, bon, ça durera ce que ça durera et je changerai, mais pas du tout. Dans ce style, on a celui-là à 49,90. Alors ça, j'adore aussi, mais le problème, c'est que le nettoyage calcaire, ça doit être compliqué. En arrivage quantité limitée, regardez, on a un mitigeur ici infrarouge. Vous voyez, vous passez les doigts là et ça coule tout seul. C'est pas mal, c'est sans contact. À 49,95€. Et là, on a un autre mitigeur à 39€, pareil, cascade, il est pas mal. C'est un arrivage quantité limitée, je le trouve super beau. Et je vais quand même vous montrer ce meuble. Donc ça, il fait 80 cm de largeur et il est à 100€ avec le miroir. Il est très sympa, en gris. Gris comme ça, c'est pas mal. Alors, c'est une finition plutôt mate. Et si vous voulez, vous pouvez avoir la colonne qui est juste ici à 59€. Voilà, ça vous fait un ensemble salle de bain pour 150€. Vous avez la vasque avec. Hein. Vraiment pas mal. Allez, je suis là pour la cuisine maintenant. On a une offre déstockage de la cuisine Montana. C'est celle-ci à 799€ au lieu de 1000€. Donc 800 au lieu de 1000, ça fait 20% de réduction. C'était un arrivage quantité limitée, mais ils l'ont passé en déstockage. Donc je vous propose qu'on aille la découvrir. Je ne sais pas si elle est exposée, j'espère. Et non, je suis désolée, elle n'est pas exposée, les amis. Je suis trop déçue. Non, je suis déçue. Bah, écoutez, je vous montre le visuel. Mais vous avez la promo, vous avez l'info. Donc si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est 1000 et ça passe à 800 sur cette config. Et c'est la cuisine Montana. On a en déstockage, enfin plutôt en arrivage ici, en évier, une cuve à 60€, blanc. Et celui-là. Bon, on voit rien de toute façon. C'est de la résine en blanc. Regardez, le visuel, c'est celle-ci. Donc 98 par 48, non, 1 mètre, 50 et 21. Donc ça, c'est 59€. Le mitigeur que vous voyez là en inox brossé, il est chouette. Il est à 59€ en prix bon plan d'arrivage. C'est celui-là, le Cook & Lewis. On va regarder aussi les mitigeurs pour les cuisines. Si vous cherchez à changer de plan de travail, regardez, on a les 3 offres ici à 89€. 3 mètres de longueur. Ils sont pas mal et ils font 62 par 38. Donc 62 de largeur et 38 d'épaisseur. On a ces 3 coloris. On a en déstockage ici un rangement pour mettre dans le meuble d'angle. Vous voyez, c'est ça. Bon, là, c'est à l'envers, désolé. C'est 104 au lieu de 209. Donc là, c'est une pas mal offre, presque 50%. Vous avez des façades de cuisine, 2€ la pièce. Voilà, c'est pas compliqué. Donc là, vraiment, si vous ne profitez pas de ça, c'est mort. Mais vraiment des belles façades en plus. Il y a plein de tailles différentes. Vous voyez, regardez, il y a des aspects bois comme ça. Il y en a des plus grisés. Vous avez à chaque fois le modèle. Donc, il y a le modèle Adélie, le modèle Cargo.
2 euros pièce la façade. Là, franchement, les amis, si vous venez pas, c'est mort, quoi. Il faut vraiment venir. 2 euros pièce. Et regardez tout ce qu'il y a. Il y a même des plus petites, si vous voulez changer. Vous avez une cuisine équipée, changez juste les portes. Vous avez une nouvelle cuisine. Hein. Donc ça, c'est ce qui coûte cher quand même. On a du rouge brillant ici. Vous voyez, on a du gris en plus large. Ah non, là, je suis trop contente. J'adore quand on trouve des bons plans ensemble, les filles et les garçons, parce que vraiment, je trouve que ça fait plaisir. Voilà, donc c'est 2 euros pièce, je vous fais tout le tour. Donc vous voyez, on ne voit pas beaucoup, hein, malheureusement. Vous avez cette couleur aussi en bois un peu plus profond. Voilà, tout le stock, c'est juste la folie. Donc il y a plein de tailles différentes à chaque fois. Il suffit juste de trouver la sienne. En termes de mitigeur, on a ces deux modèles ici. Celui-là est à 39 et celui-là à 55. Il est pas mal du tout aussi. J'adore ça. Je trouve ça très très joli. Et on a celui-ci à 169 euros qui est vraiment grand, qui fait aspect un petit peu cascade. Il est balèze. Et celui que vous voyez là en carré, il est à 99 euros. Ce qui est bien quand ils sont relevés comme ça, c'est quand on met un seau. Donc c'est pas mal du tout. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de profiter des façades à 2 euros. Si vous avez des travaux à faire dans votre cuisine, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo d'arrivage. Bye bye.